Lights Out. Alors, ah oui, le fameux stage dans la nuit où est-ce que l'apparence physique de AKU-AKU est vraiment super classe. Un petit peu spectral qui nous fait de la lumière pour nous laisser dans la lumière et qu'on ne sombre pas dans la. Qu'on ne sombre pas dans le sombre. Quel superbe jeu de mots. Enfin voilà, donc ce qui veut dire qu'on s'approche justement de la fin de ce playthrough. J'espère pour vous du coup que ça vous a bien plu. Je vous rappelle que ma chaîne est plutôt orientée pour les vidéos tests, mais bon, ce playthrough était aussi un petit peu pour me faire plaisir, pour me détendre un petit peu, et puis voilà, hein, pour vous montrer que il n'y a pas que les tests, hein, aussi refaire des jeux old school, hein, c'est plutôt cool quoi. C'est Crash Bandicoot, c'est vraiment le premier héros emblématique avec lequel j'ai grandi. Je pense que pour tous ceux qui sont nés dans les années 90, ça doit être pareil. Voilà. Toujours attendre que la lumière de AKU vacille pour qu'il puisse continuer à bien éclairer. Oui, parce que cette sorte de fla. Bordel. J'étais pas mort encore, hein, je me disais aussi. Non, mais voilà, pour que sa flashlight puisse nous éclairer en continu. Enfin voilà, du coup, j'espère que ce playthrough vous aura bien plu. Bon, je vous ai promis le 2 et le 3, mais bon, en attendant qu'il y ait des blancs durant mes postes de test, voilà. Allez, le petit cheat, grâce au James, on finit le stage sans aller à 100%. Voilà.